Accrochez-vous à vos slips, serrez les fesses. Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouveau test de jeu rétro. Et cette fois-ci, on va s'intéresser tout de suite à notre jeu, mais typiquement, mais cartoonesque, à savoir Looney Tunes Basketball, sorti aux alentours de l'année 93-94 et qui est sur Super NES, édité par Sunsoft, ou qui est un jeu de basket mettant en scène les personnages des Looney Tunes, que ce soit avec Bunny, Daffy, Sylvestre, etc., etc. Bref, un jeu qui. Enfin, ce jeu, c'est vraiment ce qu'on peut appeler mais l'arrière-ancêtre de Space Jam, sauf qu'il n'y a pas de. On contrôle uniquement les comment dirais-je. Ah oui, les personnages des Looney Tunes, mais il n'y a pas de, comment dirais-je, de joueurs connus, que ce soit LeBron James ou encore Michael Jordan. Bon, alors, c'est un petit jeu franchement sympa, enfin, encore faut-il qu'on le soit, mais quasiment assez fan. Oh, c'est la première fois que je joue à ce jeu. C'est la première fois que je joue à ce jeu. Faut dire que j'ai vraiment perdu l'habitude de jouer à des jeux de basket. Je vais pas vous le cacher. Bon, alors vous contrôlez pas mal de personnages. Il y a les sélections. Alors nous avons Bugs Bunny. Nous avons Daffy Duck. Waouh, j'adore sa chemise hawaïenne. Là, on dirait vraiment ce qui s'il est comment dirais-je, s'il est pas fan du jour du grenier ou quelque chose comme ça. Elmer Fudd, ouais. Will Coyote, très bien. Bon là c'est le diable de Tasmanie, ou Taz, ça dépend comment on l'appelle. Yosemite Sam, ou Sam le pirate, ça dépend comment on l'appelle. Sylvestre. Marvin le martien. Et c'est tout, voilà. Bah tenez, on va prendre, ouais, bah, tiens, on va prendre les pointures, à savoir Daffy Duck, voilà, Bugs Bunny et Daffy Duck. Suivi de près de Will Coyote. Et on va prendre, allez, on va prendre Taz, allez. il est bien celui-là, il est bien. Bon. Alors, en fait, on prend deux personnages et on affronte des personnages adverses. Bon, là, pour l'instant, j'ai pris, comment dirais-je, Bugs Bunny et Daffy Duck. Donc, Hummus. Et le but, et bien évidemment, c'est de marquer des points. Wouh, GG, les mecs, GG. Hummus, c'est pas du tout ce que je voulais faire. J'ai pas compris. Voilà. Allez, un petit peu de courage. Oui. Non, dommage. Oh, dommage, je voulais faire un panier, mais ça s'est percuté juste le socle. Ah zut, dommage. Oh, c'est trop dommage. Mais franchement, c'est trop dommage parce que je méritais de marquer. Allez, c'est pas fini, les gens. Taz qui passe à Ville Coyote. Et qui. Non, c'est. Oui. On qui passe à Bugs. Mais non, oh là là, hey, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Non mais les mecs, je vous demande juste de tirer, pas de balancer de la merde sur vos visages. Un peu de sérieux les gens. Et ben voilà, parfait, je le prends. Alors ce jeu, franchement, c'est vraiment ce qu'on peut appeler, mais c'est vraiment ce qu'on peut appeler, mais un sosie de Space Jam, sauf que ce jeu est 10 fois plus ancien que Space Jam. Aïe, mince. Ils sont redoutables. Ça va, le jeu franchement est pas si mal. Ouais, le jeu est pas si mal. Il est pas si mal. Et je dirais même qu'il est pas si mal du tout. Ah mince, je voulais marquer, mais comme par hasard. On m'a chippé. Et du coup, bah, Ville Coyote et son partenaire Taz continuent à ce qu'on peut appeler, mais à enfoncer un peu plus le clou. 14 à 2. Et plutôt 16-2. Alors, on peut voir que très clairement que le basket, c'est un sport collectif, hein, tout comme le foot. Et 2 points de plus pour l'équipe de Taz et de. Qu'est-ce qui se passe? Oula, j'ai pas compris. Il y a un écran noir. Pardon, excusez-moi. D'accord. Ah, d'accord, c'était juste la mi-temps. D'accord. Bon, allez, c'est parti. Donc, deuxième mi-temps. Donc, pour l'instant, je vous rappelle le score. Ville Coyote et Taz mènent 18 et à 2. Et maintenant, 20 à 2. Et ça va mal pour l'équipe des deux compères de toujours, à savoir Bugs Bunny et Daffy Duck. C'est vraiment ce qu'on peut appeler, mais franchement, je vais pas vous le cacher, mais Daffy et Bugs Bunny ont vraiment ce qu'on peut appeler des légers points communs avec
Mickey Mouse et Donald Duck, parce que Mickey Mouse est un rongeur, Bugs Bunny aussi, et Daffy Duck est un canard, et Donald aussi. Bon, tout porte à croire que ouais, la Warner s'est inspirée de Disney, ou soit tout simplement c'est l'inverse. Bref, faut dire que Disney et les studios Warner sont vraiment ce qu'on peut appeler les deux faces d'une même pièce. Tout comme Marvel et DC, hein. Allez, c'est parti, mesdames et messieurs, allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti, et pas. Non, dommage, ça a percuté peu, juste le panier, mais le ballon n'est pas rentré, dommage. Et on continue, mesdames et messieurs. Oh, ils sont mal en point, Bugs Bunny et Daffy. Oh là 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 là. Bon, ok. Quelque chose me dit que Taz et Vil Coyote sont ce qu'on peut appeler, mais chaud pour être trans. Enfin, ça risque d'être des sacrés bons éléments pour la NBA. Allez, c'est parti, il passe il passe à Taz. Et l'équipe de Taz et Vil Coyote mène au score 38 à 5. Et ça va mal pour Bugs et Daffy. Oh là là, attention! Oui, c'est super! Attention! Oh man! J'ai voulu marquer de loin, mais ça n'a pas marché! Oh dommage, 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 dommage! Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Après, si je perds, c'est pas grave. On va pas non plus pleurnicher. J'ai fait tout ce que je pouvais. En même temps, c'est la première fois que je joue à ce jeu, hein. Oh, d'ailleurs, je me souviens d'avoir aperçu ce jeu dans un des. Dans un magazine de jeux, je ne sais plus lequel, je me demande si c'est pas, comment dirais-je, Top Console ou Player One, je sais plus, je sais plus. Bon, ok. Donc, ah voilà, là c'est la mi-temps. Non, l'autre c'était ce qu'on peut appeler ah merde, je sais plus. Un temps mort. Alors, récapitulons. L'équipe de Coyote et de Taz mène 42 à 5 face à Bugs Bunny et Daffy Duck. Et c'est parti, mesdames et messieurs, pour la seconde mi-temps. Ah non, mais sans déconner, le jeu est sympa, le jeu est sympa. Bon, je sais que ça vaut pas mieux Space Jam, mais ça va, franchement, le jeu est assez à la norme. Il est assez à la norme, ouais, il est assez à la norme. J'en fais également pour faire une dédicace à tous les fans de basket, et à tous ceux qui, et à tous les fans des Looney Tunes, des studios Warner. Je sais pas ce que je dois faire, une vidéo Cinéma Club sur. Oh, attention! Oh, attention! Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? D'accord! Mais oui, évidemment! Une bombe piégée! Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui! Mais oui, qui dit Toons dit aussi Gaga Gogo! Mais oui! Parce que c'est pas assez pute! Ah, mon Dieu! Mais oui, évidemment! Il faut toujours que Coyote nous lance ses inventions, mais oui, parce que c'est pas assez pute. Allez, c'est pas. Allez, le ballon est à Daffy. Est-ce que non, dommage. Ah non, c'est dommage, c'est dommage. Mais vous êtes des tueurs, les mecs. Vous êtes des tueurs. Mais vous êtes des tueurs. Oh, mais pourquoi ça a percuté le socle? Je veux que ça rentre directement dans le. Dans le panier. Oh là 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 là, toujours à galérer comme des chiens. Évidemment, oui! Bravo, la fille! Oh, super! Et 2 points de plus pour l'équipe de Coyote et Taz. Et 59 à 7. Oh là 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 là. Mais c'est vraiment ce qu'on peut appeler, mais. La Bérézina pour les deux compères de la Warner. Attention, mesdames! Oui, piégé! Bon, ok, j'aurais peut-être pas réussi à gagner ce match, mais au moins. Mais au moins, je serais battu jusqu'au bout. Oh oui, mesdames et messieurs! Et 65 à 9 pour Taz et Vil Coyote. Eh non! Mais non! Mais non, les mecs! Mais non! Oh là 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 là! Bon, allez, à la limite, c'est pas grave.
On leur a tout fait. Donc, fin du troisième quarter, passe au quatrième et dernier quarter. Oh, ça me rappelle la bonne période de la NBA. Oh, et évidemment, ça ne marche pas. Oh, attention, il passe. Oui, non, il a rattrapé, dommage. Allez, un petit effort, les mecs. Et Coyote qui nous balance un magnifique panier. Ah non, mais il est bon pour la comment dirais-je, la NBA, celui-là. Je confirme. Coyote, t'es bon pour signer un contrat à la NBA. Par contre, je ne sais pas. Allez. Allez, c'est parti, mesdames et messieurs. C'est parti. Non, dommage. Oh, quel dommage! Mais c'est dommage parce que là, franchement, il méritait mais vraiment ce qu'on peut appeler mais de marquer. Bon, après, ce sera pas de... oui, ouais, ok, d'accord. Et oui, bien joué! En fait, il faut utiliser à la fois de la défense, de la stratégie et aussi tromper un peu ses adversaires. C'est bien, c'est bien, c'est très bien. Allez, c'est parti. L'équipe de Coyote Taz mène 80 à 13. Et 95, c'est parfait. Et nouveau panier pour marqué par Coyote. Ah non, mais c'est le jour de l'année. C'est le jour de l'année. C'est le joueur de l'année, mesdames et messieurs. C'est le joueur de l'année. Mais c'est vraiment le jour de l'année, hein. Allez, c'est parti, mesdames et messieurs. Allez, oui, non, ça a percuté le sac, dommage. Oh, mais quel dommage. Oui! Mais il est magistral, Coyote. Oh, il est magistral! C'est pas un génie, c'est un génie magistral. Allez, alors qu'on s'approche à quelques minutes de la fin de ce match. Et non! Encore raté, dommage. Et Taski qui enfonce le clou. Oh, 91 à 15. Mais c'est vraiment ce qu'on peut appeler, mais... Eh oui, non, dommage. Allez, c'est parti, c'est parfait, c'est parti. Oui, 93. Attends, et c'est terminé. Eh ben, belle victoire de Taz et de Ville Coyote qui l'emporte sur une victoire éclatante, 93 à 15 face à Daffy et Bugs Bunny. Bon, alors que comme je suis fair play comme tout, j'applaudis parce que là, franchement, il méritait, mais vraiment ce qu'on peut appeler, mais il mérite vraiment la victoire. Hein. En tout cas, immense GG à Coyote, qui est vraiment ce qu'on peut appeler mais l'homme du match, qui l'emporte avec son partenaire Taz, qui franchement, il méritait vraiment la victoire. Et voilà, mesdames et messieurs, ça sera tout pour aujourd'hui. C'était donc Looney Tunes Basketball, sorti aux alentours de l'année 94, 93 et quelques. Sorti sur Super NES ou Super NES, enfin Super Nintendo, ça dépend comment on l'appelle, édité par Subsoft. Bon, alors j'aurais bien aimé, comment dirais-je, faire un autre test sur ce jeu, mais bon, le jeu franchement est bien, mais bon, mais il faut vraiment bien savoir le manœuvrer. En tout cas, le jeu est assez sympa, hein, surtout avec un bon petit jeu de foot mettant en scène les personnages emblématiques, à savoir les Looney Tunes. Mais franchement, ça va. Ce jeu est à la norme. Voilà donc, j'espère que ça vous a plu. C'est comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut, et rendez-vous pour de prochains tests ainsi que de prochains matchs. Ici, Acme City, à vos paris. Oh, et puis tant j'y pense, j'aimerais dédier ce cadeau exclusif.